Le piscite détritivore. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le piscite détritivore est une nouvelle espèce animale. Il s'agit d'un poisson. Un poisson extraordinaire inventé par Lulu, le héros de mon premier roman. Ce poisson se nourrit exclusivement de déchets et dépollue ainsi les océans. Et vous savez ce que j'aimerais? Qu'un scientifique s'en empare. Et si l'imagination prenait vie, si elle prenait corps, devenait réalité? Parce que jusqu'à présent, ce sont surtout les romans qui ont été au service de la science, qui s'en sont inspirés. La littérature a été un outil de vulgarisation. Elle a même pu servir d'exutoire lorsque la science avait encore besoin de temps pour affiner une théorie ou pour préparer l'esprit du lecteur à représenter le futur. Du laser à l'hélicoptère, de la fusée au robot, en passant par les sous-marins, l'art a cherché à décrire les avancées de la révolution industrielle. De Montaigne à Cyrano, de La Fontaine à Diderot, en passant par Orwell ou encore Marie Shelley, tous ces visionnaires ne sont pas apparus nulle part. Ils ont été inspirés par les débats, les polémiques qui animaient la communauté scientifique de leur temps, et ils ont su synthétiser ce potentiel en une fiction qui, quelques années, quelques décennies plus tard, s'est réalisée. Il faut savoir que même Jules Verne, même lui, ses fameux voyages extraordinaires n'étaient en fait qu'une commande proposée par son éditeur. Hetzel, c'est le nom de cet éditeur, lui suggère de résumer les connaissances scientifiques de son époque. Alors, son ambition est plutôt noble, puisqu'il s'agit de permettre à tous l'accès au savoir. Verne devient donc le premier grand écrivain populaire à introduire la science et la technique dans ses récits. Alors bien sûr, il passe de longs moments à se documenter pour son roman De la Terre à la Lune, par exemple. Il va même jusqu'à suivre des cours d'astronomie avec Arago, le grand spécialiste de l'époque, le Thomas Pesquet de l'époque. Jules Verne développe donc une formidable faculté, celle d'envisager les innovations à venir, celle de prophétiser les innovations à venir, à partir des données puisées dans son époque. Mais bon, c'est toujours le même mouvement, celui de la littérature au service de la science. Peut-être faudrait-il inverser le regard, non? Et si nous revenions au point de départ, aux origines, à savoir l'école. Parce que c'est là, n'est-ce pas, que s'opère cette première ségrégation entre filière littéraire et filière scientifique. Aujourd'hui encore, les cursus sont bien trop étanches. D'un côté, les troubadours, les doux rêveurs, de l'autre, les sérieux, les cartésiens, pour ne pas dire d'un côté, les quelconques et de l'autre, les élites. Et bien sûr, je n'irai surtout pas jusqu'à insinuer d'un côté les filles et de l'autre les garçons. Parce que on l'a tous eu cette question à un moment ou à un autre de notre scolarité. Mais t'es plutôt littéraire ou plutôt scientifique? Et personnellement, elle m'a toujours exaspérée, cette question. Je n'ai jamais compris qu'il y ait telle une évidence ou une fatalité à n'être que l'un ou l'autre. Pourquoi cette injonction restrictive à prendre parti? Alors autant être clair tout de suite. En l'état actuel de la recherche, rien ne permet d'affirmer qu'il y a des cerveaux plus littéraires et plus matheux que d'autres. Ni chez les filles, ni chez les garçons. L'imagerie a montré qu'il n'y a pas de prédisposition naturelle. Il s'agit du résultat d'un cheminement, d'un parcours fait de tâtonnements, d'erreurs, de réussites, et on a évidemment, plus d'appétence, plus d'attirance pour ce qui nous procure de la satisfaction et du plaisir. Ce choix, ce dilemme, j'ai eu à le faire, et au grand désespoir de certains, j'ai opté pour les lettres. Et pourtant, on a tort de mettre dos à dos ces domaines. Les passerelles existent, la synergie est là, la porosité du langage l'atteste. En maths, on émet des hypothèses, on raisonne avec des lettres,
On peut même raisonner par l'absurde. Les nombres sont parfois irrationnels. On parle d'inconnus, d'infinis, d'hyperboles, de coordonnées. Et pour manier le tout, il faut une certaine forme d'intuition. D'ailleurs, vous savez, en science, même les électrons rêvent d'être libres. Et si l'on y réfléchit bien, une telle opposition entre filières scientifiques et littéraires est relativement moderne. Très longtemps dans l'histoire, la science et la littérature ont fait bon ménage. On peut remonter loin, très loin, bien avant J.C., dans l'Antiquité déjà, avec la fameuse SPA. Alors je ne vous parle pas d'animaux, hein, je vous parle bien de philosophes. SPA, je ne sais pas si vous l'avez, Socrate, Platon, Aristote. Platon qui affirmait d'ailleurs que le philosophe était un roi seul capable de gouverner. On peut également penser à Thalès et Pythagore qui n'ont pas rédigé que des théorèmes, ils ont aussi composé de la poésie, de la philosophie. On pense également à Averroès, médecin et philosophe. On pense évidemment aux couteau suisses de la Renaissance italienne, ingénieur, anatomiste, peintre, Léonard de Vinci, bien sûr. Et on peut remonter comme ça jusqu'au siècle des Lumières avec quasiment tous les grands savants de l'époque, Pascal, Diderot, Descartes, Spinoza. La liste est longue et inutile de vous faire remarquer qu'il n'y a pas de femmes. Donc finalement, jusqu'au 19e siècle, régnait un savoir sans compartiment, sans frontières. Au contraire, les différents domaines de la connaissance se nourrissaient les uns des autres. La transdisciplinarité était une évidence. Il serait peut-être temps de revenir à ces temps-là, non ? À abolir les bornes de ces stéréotypes, parce que comment se passer d'autant de talents ? La complémentarité, la mixité, le métissage sont un atout. Et si nous appartenions à une culture unifiée, et si nous cessions d'opposer le réalisme et l'imaginaire, les chiffres et les lettres, main dans la main pour inventer demain. Vous allez me dire que ce n'est pas si simple. Et pourtant, le ministère des Armées l'a bien compris. Et quoi de plus cartésien que le ministère des Armées ? Ils ont récemment embauché des auteurs, 10 auteurs, habilité secret défense, nom de code, la Red Team. Leur objectif, envisager les horizons futurs à 2030-2060. Une rencontre inédite des sciences et des arts, puisqu'ils ont à leur service, je dis bien à leur service, une Blue Team, des chercheurs, des experts, en soutien aux créatifs. Emmanuel Kiva, directeur du département de l'innovation et de la défense, à l'origine du projet, l'affirme. Nous sommes prisonniers de notre mental quotidien. Nous devons penser en dehors du cadre. Cette Red Team envisage différents scénarios sur les contraintes et les menaces de notre société de demain, sur des sujets comme le transhumanisme, l'intelligence artificielle ou encore les conséquences du dérèglement climatique. Alors, je suppose que vous aimeriez des exemples un petit peu plus concrets. C'est secret défense. Alors, malgré tout, je vous en livre deux. Mais ça reste entre nous, hein. Premier scénario, ils ont supposé qu'avec la montée des eaux, nous pourrions être amenés à vivre en mer. Aussi, ils ont travaillé avec des spécialistes de la pisciculture pour savoir comment faire pour nourrir une population de plus de 100 000 habitants vivant uniquement sur l'eau. Deuxième scénario, ils ont imaginé que nous pourrions être conduits à vivre dans l'espace. Pour cela, ils ont imaginé un ascenseur spatial. Aussi, ils ont travaillé avec un expert dans les matériaux de la haute atmosphère pour savoir comment réaliser des câbles de carbone de plus de 36 000 km de long. Ça vous semble un peu dingue, hein ? C'est aussi ce qu'on disait à l'époque du tunnel sous la Manche ou du canal du Panama. Il nous faut ainsi un décadrage, un pas de côté, thinking
out of the box. Vous connaissez peut-être ce problème des 9 points qu'il faut relier en seulement 4 lignes. Eh bien, cette énigme ne peut être résolue qu'en sortant du cadre. Seule la fiction répond à ce besoin. Elle élargit le monde, elle élargit les horizons, elle augmente la réalité. Pour preuve, aujourd'hui, lorsqu'on évoque l'histoire d'une entreprise, se réfère-t-on uniquement à son chiffre d'affaires ? Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. On le fait à travers le fameux storytelling. Preuve que nous avons besoin de récits, nous avons besoin de sens, d'émotions, d'apporter de la chair à nos vies. Parce que le monde de demain est en pleine mutation, parce qu'il est à renouveler, à réenchanter, il doit aussi passer par une modification de notre vision sur la hiérarchisation des savoirs. Et qui mieux que les littéraires pour réinventer demain ? Pas un demain qui, à travers un méta-écran, reproduirait notre monde réel à l'identique en asséchant nos imaginaires. Non, au contraire, un demain qui, ici, sur cette planète, dirait « Ensemble, tout est possible ». Emmanuel Kiva, à l'origine du projet de la Red Team, l'affirmait. Nous sommes saturés de sciences et de technologies. Nous sommes confrontés au mur de l'imaginaire. Eh bien, faisons tomber ce mur. Alors, s'il vous plaît, ne rangez pas votre imagination au temps qui s'englue dans les boîtes poussiéreuses de votre enfance. Ayez l'audace d'arracher vos rêves au temps. Cultivez le merveilleux, le féerique de ces premières années où un seul cerveau servait à imaginer des mondes. Peut-être connaissez-vous cette phrase de René Char : impose ta chance, sers ton bonheur, à te regarder, ils s'habitueront. Eh bien, je vous le dis, impose ta création, cultive ton imaginaire et ensemble, ensemble, soyons des littéraphiques, soyons des scientiraires.